Bonjour à toutes et à tous, amis Seagal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. Pour moi ça va super les copains, on a le Léon qui a 1007 trophées. On va essayer de le monter le plus haut possible. Objectif vraiment en route pour le rang 35 les gars, il faut qu'on puisse le faire. C'est un des brawlers les plus OP de la méta quand même, c'est vrai que ce Léon survivant il passe vraiment bien. Surtout que je suis avec un Grom qui va nous régaler, mon petit Squibo. Donc les copains, j'espère que vous allez porter chance. Explosez-moi les pouces bleus et n'oubliez pas le code créateur dans la boutique, ça fait plaisir les gars. N'oubliez pas, ça s'efface régulièrement, le nouveau le pass il arrive bientôt, donc soyez à l'affût. Et la map du jour, il s'avère que c'est la map que j'arrive le mieux à jouer en ce moment, Lac d'Acide. Honnêtement je la connais par cœur, les spawns du bas sont vraiment géniaux, même s'il y a peu de caisses on peut se mettre vraiment pas mal. Donc on va croiser les doigts. Alors on est en haut, ok. Alors c'est pas forcément pourri en haut les gars, c'est un peu piégeux parce que ça peut remonter de gauche et droite, mais en général on peut se mettre pas mal en caisse. Je vais essayer de... déjà on a deux, c'est pas mal. Je vais essayer d'aller voir en haut à gauche après. Alors, oh les gars, on est bien. Oh, on est bien. On va basculer. Alors, attends, Squibo, faut qu'il monte la garde, par contre, qu'on se fasse pas coincer. Parce que moi, je vienne dans l'angle, c'est pas grave. Mais lui, il doit monter la garde. Donc, c'est plutôt cool. Alors, le start à 4, il est validé, les gars. Là, le but, c'est de redescendre en bas à gauche ou en bas à droite. Et si on y arrive, à mon avis, on est plutôt pas mal. Alors, apparemment, il y a une team à droite, du coup. Alors, c'est quoi? Putain, il y a un buzz, les gars. Buzz, c'est Clacos, hein. C'est Clacos. C'est claqué. Tara, c'est pas fou. Alors, attends. Est-ce qu'il arrive à la tuer? Bien joué. Ah, on se fait voler la caisse. Alors, la petite Tara, elle est où? Je me méfie un petit peu de ses ombres. Elle est en haut. Ah, voilà. Je savais qu'elle était cachée. Je savais qu'elle était... Oh là, elle fait respawn quelqu'un. Oh, elle fait respawn un Franck. C'est quoi cette chimpouille, les gars? C'est quoi cette compo ulti loupée? Alors, attends. Moi, faut que je charge un ulti. Alors là, les gars, ce qui est cool, c'est que... Alors attends, ce qui est cool c'est que j'ai l'ulti, ce qui est pas cool c'est que mon frérot il est mort. Les copains on va se focus et s'il faut, si on se fait push, on essaiera de mettre un ulti pour se cacher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tellement envie. Oh, il y a un costaud les gars, il y a un Franck, un costaud, ça veut rien dire les compos. Ça veut rien dire les compos sur cette map, faut en profiter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente po? Ok, Franck il a cramé son ulti pour pas grand chose. Tara, j'ai loupé le premier coup. Ok, on va se mettre l'ulti, on va essayer de se cacher. Squibo, je pense qu'il va... Ça va, il gère plutôt bien. Il gère plutôt bien. Si on arrive à gratter un top 2 sur cette game, je vais dire éclater, mais pas dingue. Ce serait cool, le petit... Oh, il a 12 caisses, les gars. Oh, je suis mort. Il a 12 caisses, ça sent quand même le top 3. Ça sent quand même le top 3. Qu'est-ce qu'il reste à tuer, là? Il reste Franck, les gars, on peut pas mourir contre ça. Alors, comment c'est possible de galérer contre Franck et Costo? C'est pas du tout méta, c'est éclaté en survivant. Alors, il fait respawn, du coup, sa Tara. Oh, l'autre, il est avec une Shelly, c'est ça? Ah non, il est avec un Colt, ok. Faut qu'il meure avant nous. Faut qu'il meure avant nous, les gars, moi, je vais me suicider sur eux. Allez! Ok, les gars. Ok, on a réussi à faire un top 2 éclaté. Clairement, mais c'est enfin, c'est un résultat moyen, parce que pour le coup, vu les compos qu'il y avait, on aurait largement pu top 1. Dommage qu'on n'ait pas pu se positionner sur le bas. Ah oui, c'est plus 4, forcément, c'est plus 4, plus 5, les gars, au-dessus de 1000. Donc ça commence à être pas fou. Hein. Va falloir en faire sacrément des games pour réussir à monter. En tout cas, on est parti pour une longue vidéo. Enfin, je suis pas spécialement pressé. En espérant juste qu'on ne se fasse pas des petites loose, parce que sinon, ça fait ça devient vraiment long de remonter. Alors, spawn mid-gauche, c'est pas foufou, les gars. Comme d'hab, j'ai dit que les spawns... J'ai annoncé les meilleurs spawns, et du coup, on va jamais les avoir. En tout cas, là... Alors, faudrait qu'il mette une vision, le frérot. Voilà, bien joué, les gars. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Même si elle meurt instant, au moins, ça permet de voir ce qu'il y a dans les bush. Alors, il y a le petit Colt, on sait pas encore avec quoi il est. Faire un peu gaffe, là, qu'on n'allait pas se faire piéger. Ouah, il y a des caisses de partout, si on peut les récupérer, les gars. Je vais essayer de faire un piège par le bas. Allez. Squibo, il nous prend les caisses, il nous met bien. Ouais, je vais aller les coincer. Hein. On va les coincer en bas à droite. Hein. Je vais aller les coincer en bas à droite. Ah, s'il arrive par là, j'éclate. S'il arrive par là, les gars, j'ai... Oh, j'ai raté tous mes tirs. J'ai raté tous mes tirs, les gars. Faudrait qu'il meure en bas à droite. S'il meurt, on est déjà en top 3. Ils sont vraiment bien coincés. À mon avis, ils sont dans la sauce. Dommage que j'ai loupé tous les tirs. Rameur, ah c'est dommage, j'aurais tellement pas fighteux, mais non, on va se faire remonter dessus là. Moi j'aurais fight la team qui était coincée, enfin j'aurais fini de les fight en tout cas. Ça pue, hein, ça pue un peu parce que là du coup ils ont 0 caisse et ils se retrouvent à nous tirer dessus. Oh, je loupe tous mes tirs sur les cactus, putain, enfin sur les. Je me casse, alors je vais suivre Squibo en général.
C'est lui qui fait l'école de la game. Du coup, il fight qui là? Il y a des mecs là? C'est vrai que j'ai plus de gadgets. Oh, ils étaient cachés là. Ok, ok. J'ai plus de gadgets pour pouvoir vérifier les buffs, les gars. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, la Tara devrait mourir en... Oh là là là, les copains. Ça pue un peu cette game. Ça pue un peu cette game. On est en top 3. Ok, si le Spike meurt à droite... Est-ce... Ah, je meurs. Je meurs, je meurs. Squibo, faut qu'il carry, là. On va croiser les doigts que le frérot soit chaud. Ouh là 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 là, le Spike qui meurt pas. Waouh, waouh, waouh. Il a bien esquivé les coups de Spike, honnêtement. C'est pas des belles games, hein. Pour l'instant, les gars. Je vais aller me suicider sur le Spike, je pense. Je vais aller me suicider sur lui, les gars, clairement. Top 2. Ok, ok, top 2, on prend. C'est clairement des games éclatées. Ah, attends, j'allais dire, est-ce qu'il peut carry, mais il a 2000 PV. Ça va être tendu, ça va être un petit peu compliqué. Non, ça va être mort, ça va être mort, ok. C'est pas grave, les gars, vaut mieux un plus 4 sur des games comme ça, un peu hasardeuses. Vaut mieux prendre un plus 4 que rien du tout. Par contre, j'ai vraiment pas capté. Je vous assure, on était en train de fight la team en bas à droite. Moi, je serais vraiment resté sur eux. Ils avaient aucune échappatoire. Et leur offrir une échappatoire en allant fight la team du haut, j'ai pas du tout compris la strat qu'on a abordée. Parce que clairement, c'est pas ce que j'aurais fait. Et là, vous vous rendez quand même compte qu'il y a des mecs à 1011 trophées. Il y a des mecs à 1000. On n'a pas encore lavé le matchmaking. Clairement, c'est pas la session idéale. En général, c'est quand même beaucoup plus confort de jouer 2-3 heures. Derrière, on tombe sur les teams un peu bizarres. Allez, les gars. On a le 10 sur 10, spawn mid droit, on va tous les faire. On va tous les faire, sauf les bons. On a fait les 3 spawns possibles, les gars. Sauf le en bas à gauche, en bas à droite. Alors, on a un spike dessus, oh, il y a des caisses là en plus. J'auto-aim, ça tire sur le mec. Ok, ok, 2 caisses. En vrai, il peut les allumer. En vrai, ça meurt ou pas? Ça meurt, ok. Ok, nickel, spawn à 4. Spawn à 4, les gars. 3, 4, est-ce qu'on voit à droite, il y en a? Ah, dommage. Il m'en aurait mis deux en haut à droite, les gars. C'était la game parfaite, le start parfait. Du coup, on peut aller fight la team de gauche. Quoi qu'il a déjà... Attends, c'était pas un Grom, frérot? C'était Spike avec quoi à gauche, les gars? Enfin, qui nous... Oh! Ok, j'ai loupé pas mal de tirs. On est quasiment aux trois quarts de l'ulti. Si on arrive à les soulever, les gars, on est vraiment bien. On est vraiment très très bien. Allez, lui, faut qu'il meure. Oh, je loupe tous mes tirs, ça rend fou. Je loupe tous mes tirs. Je pense qu'on va y aller, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères? On attend. Allez, allez, faut que je tue. Oh, ce que je lui ai rentré, les gars. Énorme, énorme. On est à 7. On est à 7 caisses, les gars. Top 4, 7 caisses. On est... Là, c'est le top 1. Là, c'est le top 1, les gars. Hors de question, laissez filer le top 1. On va essayer de reprendre le bas de la map. Ça, ça me plaît, ça. Ça, c'est des games qui me plaisent, les gars. Voilà, on reprend le bas. Là, on est les boss. C'est vrai qu'à chaque fois, vous allez voir que j'ai un gros défaut. C'est de balancer mes gadgets à chaque fois dans les 30 premières secondes. Ce qui est dommage, parce que là, style... Voilà, bon, il y a l'air d'avoir personne, mais en général, il vaut quand même mieux avoir un gadget, là. Oh, ils vont mourir. Oh, ça va mourir. Oh, ça va mourir. Oh, ça va mourir, les gars, les gars, les gars. On est à 12 caisses. Qu'est-ce qui reste, là? Ok, Korbach mort. Oh, j'ai fait du kill. Oh, j'ai fait du kill. Le petit Spike 0, 0 caisses, lui, il a absolument aucune chance de s'en sortir, les gars, et mine de rien. Si on fait le top 1, ce qui n'est pas encore fait, mais... Allez, faut qu'il meure. Faut qu'il meure. Faut que je finisse. Ok, nickel, j'ai fait un paquet de kills, on est des monstres. On a fait quoi? Plus 8 et plus 5, on a fait plus 13. Plus 13 trophées, on était à 1007, on a 1020, c'est ça. Plus 13 en l'espace de pas longtemps, je sais pas, une dizaine de minutes. Alors c'est vrai que je cut un peu le matchmaking, des fois il dure 30 secondes, et des fois il dure 5 minutes, et on a encore battu une team, regardez. Hein. Le Buzz et le Grom, ils étaient à 1000 trophées tous les deux, donc on a du mérite. Classement français sur mon petit Léon, qu'est-ce que ça donne, les gars? On est 19ème, ouais, c'est pas fou, fou les gars. Et pour rentrer en top 10, il faut faire plus de 1050, ouais. C'est quand même pas gagné. On va essayer de se faire une place. On va essayer de se faire une place dans le top 10. En tout cas, mon frérot, pour l'instant, il me régale. Pourvu que ça continue comme ça, on va simplement essayer de rester focus. Alors, je vais peut-être pas en faire 25 de game encore. Mais peut-être encore 2-3. Ah, par contre, ils abusent là. Ils abusent sur les spawns, les gars. Ils abusent vraiment sur les spawns. En général, j'ai de la chance, mais là, ils me mettent à chaque fois les spawns bizarres. Alors, une caisse, ok, deux caisses, à droite, il y en a une, ok, ok, on va laisser la chercher, tranquille les gars. On n'est pas pressé, c'est pas le meilleur spawn, mais déjà quand on se met à 3-4, bon là c'est pour le coup c'est 3 caisses, mais c'est déjà pas mal. Alors, Squibo apparemment il tire sur un squeak, non, sur un tick. Oh, ouh là là, là j'ai carry, là j'ai défendu mon frérot. Alors, attends, j'ai un ulti, est-ce que je vais pas les fight le tick? J'ai bien envie d'y aller. J'ai bien bien envie d'y aller, j'aimerais juste voir avec quoi il est. Est-ce que vous pensez que c'était le tick qui allait avec le buzz? Attends, il y a un truc à gauche. J'ai envie d'y aller, hein. J'ai envie d'y aller les frérots. Je
c'est pas, ça risque de respawn en fait. S'il est avec le buzz, ça va respawn, c'est pas le bon timing. Squeebo, il est en train de tirer dessus. Ok, ça c'est mort. Oh les gars, allez, allez. Non. Bien joué, Squeebo. Corps à corps, c'est un spike, je vous l'ai déjà dit. Ok, on a 8 caisses. On a 8 caisses sur la moitié de l'ulti. Faudrait que je charge un petit ulti, aller faire des kills. Oh, il s'est donné, c'est incroyable. Il m'a chargé l'ulti, le mec, c'est génial. Je pense qu'on y va. Oh, j'ai loupé le premier tir, mais ça va, ça suffit. On a 12 caisses, les gars, on est en train de défoncer le survivant. On est en train de déboîter les games, les gars. J'ai l'impression que c'est trop facile. Je sais qu'on va se faire karma. En général, quand on prend trop la confiance. Allez. Elle a aucune chance de... Oh, je loupe mes tiers. Ok, nickel. Encore un top 1, les gars. On était sur un plus 13 en bascule, sur un plus 18, du coup. Ça fait plaisir. Déjà 1025, hein. Eh, mine de rien, ça prend les trophées, les gars. Alors, il en manque encore beaucoup, hein. Croyez-moi, pour monter à 1250, il en manque encore beaucoup. Mais j'ai jamais monté Léon aussi haut, en fait. J'ai jamais monté Léon, je crois, au-dessus de 1017, 1018. Donc là, 1025, c'est le record. Si on peut encore en faire une ou deux, en vérité, c'est cool. Et le classement FR, est-ce qu'on a grappillé une place? On était 19e. 15e, c'est honnête, les gars, ça grappille. Je vous ai dit qu'on va faire le top 10, on va le faire. Le podium, ce serait dingue. Allez, un spawn en bas à gauche. En bas à gauche, frérot. En bas à gauche, en bas à droite, s'il te plaît, pour la dernière. Ok, en bas à gauche, les gars. On l'a demandé, on l'a eu. Il y a Jesse, je sais pas quoi au-dessus, c'est une compo claquée. Oh, on a un spawn, il n'y a pas beaucoup de caisses, par contre, c'est le problème. On peut pas tout avoir, mais je préfère avoir le contrôle de la map et pas beaucoup de caisses, clairement. Clairement, les gars, ça peut être intéressant. Il n'y a pas de caisse à droite non plus dans le carré, c'est un peu dommage. Alors, Squeebo, il est en train de fight un Fang. Attends, si je peux claquer le Fang, là, c'est cool. Ok, il y a un Spike avec. Spike, c'est vraiment fort en ce moment. Sur cette méta-là, le gars, Spike, c'est vraiment incroyable. Donc, faut faire un peu gaffe. Là, on a tout le bas. On est 5 teams, on a récupéré le bas. Alors, attends, s'il meurt, lui, par contre, on est vraiment bien au mid, parce qu'il a 6. Oh là là, s'il meurt, faut que j'aille le récupérer. Ah, je... C'est suicidaire, mais j'y vais, hein. Bah, je nous bats 4, on a tout le bas. Les gars, on a tout le bas, c'est ce que je vous racontais, en fait. On est 5 teams. Alors, on a quasi tout le bas, parce qu'à droite, forcément, il y a une team. Ok, eux, ils sont pas bien. Les gars. Alors, moi, je grappille l'ulti gentiment. Ça touche pas beaucoup, mais bon. Ouais. Allez, il faut qu'il meure, ça fait une caisse en plus. Ok, on est à 5, les gars. Le Spike à droite, il est mort apparemment. Parce que du coup, ils sont rendus passés à 4 teams. Il y a un truc invisible, c'est un Léon invisible au-dessus. Oh, les gars, c'est un carnage. Il y a des caisses de partout. Faut tout récupérer. On est à 9. Oh, si. Oh là là, les gars, on est en top 2. On a 12 popos. Il n'y a plus qu'un mec en face. Je sais même pas ce que c'est. Et voilà, c'est un top 1. Oh, c'est carnage. C'est vraiment un carnage. Vous avez vu le spawn à une caisse, les gars. Il était éclaté. Derrière, on a eu le contrôle. On a maîtrisé la game. Squeebo, il joue vraiment bien. Squeebo, les gars, il joue vraiment bien. Il gère vraiment bien le Grom. Ça aide énormément sa zone de fou. Franchement, cette map, elle est faite pour Grom, hein, les gars. Ceux qui veulent monter le Grom, Lac d'Acide, c'est vraiment la map sur laquelle il faut tryhard. Je pense que ça va être la dernière game de la vidéo. Ouais, la session, elle est parfaite. La session, on a fait deux top 2 au début, un peu timide, et derrière, ça a enchaîné les top 1. Du coup, on a fait un plus 23 trophées, les gars, plus de 1000. C'est carrément pas mal pour un premier épisode de Rush Rank 35. Je pense que c'est carrément intéressant. Est-ce qu'on a grappillé une place ou est-ce qu'on est toujours 15e, les gars? 14e. Ça va, on grappille, les gars, je vous ai dit. Objectif, le top 10, pour l'instant. À mon avis, c'est pas mal. Dites-moi si vous voulez un autre épisode ou pas. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me mettre des pouces bleus. S'il y a 1500 pouces bleus, on essaiera de faire un épisode 2 où on rush au moins le rang 31, voire les 1060, 1070. Moi, je fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas le code GAL dans la boutique. Et merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. À très bientôt. Ciao, ciao.